partager ce lundi. Bon début de semaine. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Ça va bien? Okay. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ah, Richard. Hein? C'est Richard, ça? Hein, oui. J'ai Richard. Je savais que c'était toi. Hein, oui, Julie, bonsoir. Déjà prête pour l'Halloween, Julie? Ah, c'est magnifique. Benoît, bonsoir. Bonsoir, mon Dieu, Catherine. Allô, comment vas-tu, Catherine? Bonsoir, François. Hey, j'ai rien à dire, j'ai juste à dire bonsoir. Ce soir, c'est merveilleux. Bonsoir. Annie. Oh, quel sourire, Annie. Seigneur, Annie, quelle dentition. Si j'avais des dents comme ça, je me ferais charcuter les lèvres. Je me ferais amputer les lèvres. Vraiment, je me mettrais ça en évidence. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Très bien. Ah oui, bon début de semaine à vous, hein? Ils sont assez drôles, eux autres. Ah, bonsoir en haut! Ah, il n'y a personne. Il y a une personne quand même, ah oui. Une personne, c'est quand même... Ah oui. Ah, puis là, ils se mettent à parler en plus, puis là, ils en rajoutent. Puis là, ils sont contents. Ah, c'est comme... Ils trouvent ça très drôle. Hein? Bon, on en parlera. Hey, évidemment! Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Super. Alors, pour toi, ce soir, je reçois messieurs Luc Guérin, Yves Pelletier et les membres du Club La Brèche, Suzanne Lévesque et Béa Brassard. Quand même, c'est bien. C'est bien. Bon, maintenant... Bon. D'abord, vous avez peut-être vu dans les journaux, Mademoiselle Luce Dufault devait être avec nous ce soir, mais bon, apparemment, elle file pas notre Luce. Non, c'est dommage. Ben oui. Oui, ben c'est des choses qui arrivent, hein? Je veux dire, le corps est une machine qui est une machine. Bon, là, c'est pas grave, là, mais moi, je dis, ben, c'est pas grave. Je pense que c'est les moules. A probablement mangé des moules pas fraîches, hein, Mégo? Ça se peut bien, ça? Oui, ça se peut. Oui, parce que l'us puis les moules, c'est pas chummy-chummy, ça. Non? C'est pas mal, c'est... Elle devrait pas manger de moules, pas comme ça. Elle devrait pas, non. Bon, non, je pense qu'elle devrait pas, non. Non. Bon, je sais que... Bon, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que moi, j'étais par réflexe comme ça. C'est vrai que je suis souvent anti-moule. Moi, dès que quelque chose ne va mal ou ne fonctionne pas, j'accuse toujours une moule. T'es un petit moule? Hein? Pardon? T'es un petit moule? Oui, je suis un petit moule. Ah, anti-moule. Anti-moule. Ah, je pensais que t'avais dit que t'étais un petit moule. Non, j'ai un réflexe. Il faut toujours condamner la moule. Par exemple, navette spatiale Challenger, pour moi, moule. Quand ça va, inondation Saguenay, moule. Assassinat de Kennedy, une huître, mais c'est presque pareil. Alors, retenez bien ceci à la maison. À la pêche, au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, ont pris mon panier, maman. Ah, les maudites moules. Je les hais, les moules! Mon Dieu, petite montée de lait. Mais revenons à Luce Dufault. Alors, ma chère Luce, probablement que tu nous regardes ce soir, mais pour que tu te portes mieux, tes camarades et les miens, Luc Guérin, Yves Pelletier, et moi-même, évidemment, allons t'improviser une petite chanson d'encouragement pour que tu te portes mieux. Alors, messieurs, si vous voulez bien vous joindre à moi, Luc Guérin, Yves Pelletier, en fait... Luc, bonsoir! Ça se passe très bien! Bonsoir. Yves Pelletier va nous rejoindre un petit peu plus tard, quand tu le sens, Mégo, pour Luce Dufault. Juste pour toi, Luce! It's getting better all the time. I used to get mad in my school. No, I can't complain. The teacher worked up, we were cool. No, I can't complain. Holding me down, you're turning me round. Filling me up with your room. I've got to admit, it's getting better. A little better all the time. I have to admit, it's getting better. It's getting better, a little better all the time.
admits it's getting better, better, a little better all the time. Couldn't get no worse. Yes, I admit it's getting better, better, a little better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better. Du grand blanc. À la fin. Mais qu'est-ce que ce vacarme? Participez au concours, trouvez les insupportables petites sœurs guitare et courez la chance de gagner un des 8 voyages pour deux à Cuba. Regardez le grand blanc avec un chaussournois et notez la date et l'heure de 2 apparitions des insupportables petites sœurs guitare. Postez vos réponses à l'adresse qui apparaît à l'écran. Chaque jour à compter du 20 novembre, je pigerai le nom de 2 participants. Si les réponses sont bonnes et que vous êtes à la mise en, pour répondre à mon appel en direct, je vous propulserai sur les ailes de Canada 3000 au Super Club Breezes de Cuba. Bonne chance! Eh bien, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité, aujourd'hui, campagne! Campagne pour tout le monde! En effet, M. Joe Clark, le chef du moribond Parti conservateur, que certains partisans d'ailleurs appellent Jurassic Clark. Ah, oh, c'est coquin, ça. M. Clark, donc, fait preuve d'un optimisme à toute épreuve, malgré tous les sondages qui prédisent presque la disparition de son parti. En manque de partisans, il a même dû s'adresser à une assemblée de citrouilles hier. Mais tout de même, M. Clark est très encouragé. Oui? Malheureusement, le lendemain de cette photo, 4 de ses supporters ont été mangés par des écureuils. Ça, c'est très, très drôle, ça. Parce qu'on dirait que ce sont les potirons qui l'encouragent, M. Clark. Des potirons. Que j'aime ce mot, potirons. Hein? Ouais, potirons. Ouais, ouais. Potirons. La veille de l'Halloween, rien ne vaut une bonne blague de potirons. J'en fuis dans mes culottes. Pouille, pouille, pouille. Regardez, j'ai fait un potiron de pipi. Ah! Oh! Coudonc, c'est lundi, tout le monde, sacrez-moi patience. OK. Toujours au sujet de la campagne, campagne! Vous pensez que la politique canadienne relève de la science-fiction? Eh bien, vous avez totalement raison. Même les politiciens ne s'en cachent plus. En effet, depuis vendredi, les chefs en campagne électorale n'arrêtent pas de se comparer aux célèbres personnages de Star Wars. Star Wars! On parle de la guerre entre l'Alliance et la Fédération. Oui, on a même qualifié l'arrivée de M. Jacques Parizeau du retour du Jedi. La force est avec eux. C'est vrai d'ailleurs que M. Parizeau ressemble à Yoda, hein, vous avez remarqué, même tête ronde, même œil globuleux, même épouse. Vraiment, c'est à s'y méprendre. On enchaîne. Alors... La chambre du bébé est prête. Oui. Ah, on a un VDR. On écoute. Ah, ben oui. Hein? On vous a reconnu quand même si vous avez un manteau sport. Je vais aller vous chercher des bonbons. Mais lâche-moi les bonbons, toi, c'est Jacques Parizeau. Okay? J'ai de quoi pour toi, mais prends ça. Viens. Joyeux Halloween. Je reprends. La chambre du bébé est prête? Oui, la chambre. La chambre du bébé. Qu'est-ce que j'entends? On me demande de quel bébé s'agit-il et de quelle chambre, comme s'il y avait un autre bébé que celui de Céline et René. Et Céline elle-même le dit en première page du Journal de Montréal. La chambre du bébé est prête. Elle est tellement prête. Est tellement prête que j'ai ici même le walkie-talkie relié à la chambre de fiston. Bon, c'est sûr, le bébé n'est pas encore né, mais on peut toujours peut-être entendre quelque chose. Écoutons. René! Quoi, Céline? C'est quoi donc ça?
Ça, quand tu mets la switch par en haut, la lumière s'allume. Oh, oui! Ah ben, gosh! Faut que j'appelle maman! C'est très drôle! Et c'est une blague, Céline! Non, faut que je le dise, elle comprend pas tout. Trouvez pas que Céline et René ont des drôles de voix en Floride? À moins que Céline Lomez et René au miroir attendent un enfant. En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que je pense. On continue. Dans l'actualité aujourd'hui, on a appris que le pénis pouvait... Quoi? Quoi? Annie, ma régisseuse, quoi? Annie rit parce que j'ai dit le mot pénis. Mais qu'en serait-il, Annie, si j'avais dit le mot potiron? Qu'est-ce que j'ai ce soir? Quelle forme! Je disais donc que le pénis pouvait accomplir des prouesses absolument stupéfiantes. N'est-ce pas, chérie? Eh bien, il en va! C'est juste lundi. Il en va de même pour des adeptes... Non, c'est vrai. Il en va... Annie, tais-toi. Il en va de même... Je suis plus capable. Il en va de même pour des adeptes de la méditation chinoise, hein? La méditation Qipong. C'est très vrai, ça existe. Qui, pour montrer une facette de leur talent, ont décidé de tirer, croyez-le ou non, un camion avec leur organe viril. On a la photo ici. Oui, ouch. Les trois disciples avaient les pénis attachés par une corde au pare-choc du camion qu'ils ont tiré sur une distance d'un mètre. Et prochainement, c'est écrit dans l'article, ils ont l'intention de tirer un Boeing 747. C'est chinois. Je me demande si quelqu'un a déjà pensé à commercialiser cette extraordinaire faculté. Je me demande ça. Mais c'est donc bien le fun, ça. C'est le fun, hein? Dieu qu'un pénis peut s'avérer pratique quand même. Ah, on l'a ici. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Oui. Et qu'un pénis peut s'avérer pratique. Ça, c'est... Le pénis, c'est le couteau suisse de l'anatomie masculine, hein? Hey, mon Dieu, que c'était drôle. Voilà, c'est déjà tout pour les petites vites. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas dormir en plein milieu. Allez, chérie, viens jaser avec Yves Pépin. Histoire de filles! Au cinéma, il tourne en ce moment la suite de Carmina, cet excellent film. Il sera aussi en spectacle avec Martin Drainville, oui, le 1er novembre. À Québec, salle Albert Rousseau, et à Montréal, le 11. Mesdames et messieurs, Yves Pelletier! Bravo! Bienvenue! Encore une fois, écoute! Moi! T'as un regard étrange, là. Tu vis quelque chose, là? J'ai une étrange réaction aux caméras. Ah bon, OK. T'es tellement camera conscious. C'est pour ça que t'adores tellement le cinéma. Parle-moi de... Carmina, j'avais tellement aimé ça, je te l'ai dit 40 fois. J'ai vraiment aimé ce premier film-là. Vous faites la suite. Mais là, toi, t'avais pas écrit Carmina. T'avais recorrigé le scénario au départ. Ou de recorriger, enfin, t'avais apporté ta touche personnelle au scénario. Là, tu l'as... Est-ce que tu l'écris complètement, ce deuxième Carmina-là? La question est finie? Oui. Oui, très bien. Alors...
Non, c'est parce que je regarde l'émission souvent. Puis à un moment donné, j'essaie de me cuer. Ouais, il va arrêter. Il va respirer. C'est une respiration. Tu rentres dans... Je confonds tes virgules et tes points d'interrogation. Mais c'est parce que, sais-tu, je fais des points virgules. OK. Alors, c'est ça. C'est que quand ma pensée veut se terminer, puis là, whoop, ça devient une virgule. Oui, excuse-moi. Oui. Alors, est-ce que tu. Carmina est un film que j'ai adoré, je te l'ai dit à peu près 40 fois. Est-ce que tu réécris ce film-là ou tu corriges le scénario qui t'était apporté à l'origine, Yves Pépeltier? Très bien. Alors, la première version du scénario, j'avais comme réécrit le scénario avec d'autres personnes. Et celui-ci, c'est j'écris l'histoire avec le réalisateur Gabriel Pelletier. Non, ce n'est pas mon frère, malgré ce qui est écrit dans les journaux. Voilà, vient bientôt 150 fois qu'on le dénie. Non, ce n'est pas mon frère. Officiellement, à la télé ce soir, ce n'est pas mon frère. Mais il y a une telle complicité entre nous maintenant dans le travail que c'est comme un frère. Voilà. Et là, c'est ça. Donc, j'écris le scénario et les dialogues de ce film-là. Point. À toi. Est-ce que le fait de faire une deuxième version d'un film qui a eu un immense succès, évidemment, on pose toujours la question à tout le monde qui s'embarque dans une sequel, si tu veux, une suite, quand on refait vraiment un film. Quel vocabulaire, mesdames et messieurs, j'en viens. Sequel et suite. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu crois ou enfin, auxquelles tu penses et qui t'effraient ou alors pas du tout, tu y vas avec ton naturel? Non, écoute, tu connais le milieu du cinéma, c'est assez rare que les projets sont acceptés. Il y a des foules de projets, mesdames et messieurs, et seulement une infime minorité sont acceptées. Donc, je me sens extrêmement privilégié maintenant de travailler sur un projet de cinéma. Alors, merci, milieu du cinéma. Quand tu dis « je serai un RBO toute ma vie », est-ce que c'est le regard que les autres ont sur toi qui te considéreront toujours comme un RBO ou est-ce que intrinsèquement tu te sens un RBiste? Non, c'est parce qu'à chaque fois que je te vois, je vois un boogie-woogie. Oui. Donc, c'est, ça t'a marqué, ça? À chaque fois qu'on se voit, on parle de c'est oui, beau. Oui, oui. C'est ton rôle le plus humoristique, je trouve. Je pense que oui. Mais non, c'est la façon dont je vois les ex-membres, mettons, des cyniques. Tu sais, je vois Marc Laurando, c'est un cynique pour moi. Oui, mais t'es tellement multidisciplinaire. T'aimes toucher à tout. T'as réalisé. T'arrêtes pas de faire des compliments à tout le monde. Non, pas toujours. Là. Pas toujours. Tu flattes tout le monde. Non, là. Pas du tout. Et il y a rien qui fonctionne. Je t'écris plus, là. Je t'écris plus. T'es fin avec tout le monde, là. Okay. Sois un peu dosé. Envoie chier du monde, là. Oh. Yeah. On s'ennuie beaucoup d'RBO parce que depuis, t'as rien fait de bon, Yves. Oh. Il y a eu Carmina, je te l'ai dit 40 fois. Bon, faut que je t'expliquerai après. Ben, c'est les bananas splits, ça, non? Non! C'est pas les bananas splits en français! Non, c'est les insupportables de petits chants à guitare. C'est pour notre concours. Alors, ils apparaissent ce soir pendant ton entrevue. On est désolés. Okay. C'est pas parce que ça allait pas bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Directement du pays de la guitare, les insupportables petits chants à guitare. Merci beaucoup, Yves. Vraiment, on peut en voir avec Yves et Martin. Écoute, c'est très court. On te souhaite un merveilleux tournage. Oui. Et ça sort quand, Carmina, le deuxième, en principe? Ça va sortir l'été prochain. L'été prochain? Mais vous savez, mesdames et messieurs, un scoop, c'était supposé être Marc Labrèche qui faisait le rôle de Vlad. Et puis, il nous a trompés avec Robert Lepage. Il est allé se shooter à la pomme au Japon. Non, mais là, regarde, mais t'as fait la meilleure job possible avec ça. Non, tu... arrête. Non, c'est vrai, j'aurais été mieux. Ouais, oui, okay. Arrêtez. Merci infiniment, Yves Pépeltier. Merci beaucoup. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le club Labrèche tout de suite après. Eh bien, voici donc le moment de se dire au revoir et de philosopher un brin sur cette émission qui se termine. Bon, je veux m'adresser aux gens qui se demandent ce que je fais encore en onde à minuit et demi. C'est que ou bien vous avez oublié de reculer l'heure, ou bien vous vivez dans les Maritimes. Alors, pour le savoir, regardez autour de vous. Y a-t-il une forte odeur de morue, des cages à homards? Une vieille femme édentée qui crie « C'est tient-tu la brèche dans le téléviseur ?» Si c'est le cas, vous êtes probablement fermé dans un Red Lobster et le gardien de nuit fait une très mauvaise imitation de la sac.